Alors, le Dreamer D42, donc fourgon 5 m 41 de long. Fourgon sur Fiat, évidemment. Enfin, évidemment, je sais pas pourquoi je dis évidemment. Mais c'est souvent le cas. Alors, cuisine small, of course. Deux feux, flamme courte ou je sais pas quoi, flamme, je sais pas comment on dit. Le frigo ici, un frigo normal, presque taille maison, hein, dans un petit fourgon comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Le fauteuil, poste de conduite sympa, ici il y a visiblement un Autorayo avec une façade extractible. Les sièges sont confortables et... J'avais pas vu, il y a l'extension de table. Bon, il y a un petit thé en plastique. C'est pas GGN, mais c'est pas mal quand même. Alors, le lit. Donc, le lit, il est totalement adjacent au. Est-ce qu'il y a le système comme. Je pense qu'on. Je sais pas. Ou alors, c'est juste un truc qui pend en l'air. Mais bon, non, je pense pas. Il doit y avoir une petite extension quelque part. Donc le lit, bah, ma foi, il a l'air d'être très bien pour la taille du véhicule, parce que, vu comme ça, c'est bien. Hein. Même ici, le salon, il est correct. Hein. Toujours pour la taille du véhicule. Il y a une extension sur la table, je crois que oui. Est-ce que je vais pas la faire marcher? Extension. Alors le plus embêtant là-dedans, c'est la salle de bain. Parce qu'ici la salle de bain chiotte très bien. Enfin, il y a une glace, on peut se regarder. Si on ferme, donc évidemment, non, mais c'est bien. Hein. Il y a des rangements, c'est du plastoc là, donc c'est peut-être un truc un peu moyen quoi, mais bon, faut faire attention aux ouvrants et aux fermetures, parce que c'est du plastoc. Ici le passage de roue, bon il est là quoi, mais tout est plastifié, c'est ça que je veux voir moi. On peut mettre de l'eau normalement là-dessus presque. Et alors ici, bon ils mettent un rideau quoi. Un rideau pour protéger ça et pour protéger toute cette zone là quand on se douche. Alors je vais quand même l'ouvrir pour voir ce que ça donne, parce que c'est quand même problématique ces trucs, hein. Voilà ce que ça ouais, on va voir. Bon, quoique franchement vous pouvez pas faire mieux, vous pouvez pas faire un système un peu mieux. Voilà là dans quoi on se retrouve. Bon, franchement le chiotte peut le mouiller, c'est pas grave, c'est du plastoc. Donc si je fais comme ça, ça donne quoi ce système de... c'est dommage hein. C'est dommage. Donc là il y a une armoire. Alors bon, c'est pas la fin du monde. À la limite, on le met juste à moitié. Mais c'est pas non plus top quoi. Il n'y a pas besoin de rideau comme ça là, dans ce truc. On pourrait un petit truc comme ça, ça coûterait un peu plus cher, mais. Bon, sinon, par rapport à la taille du véhicule, c'est plutôt pas mal. Hein. Je trouve qu'il est pas mal réussi. Hein. Il est tout simple. Hein. Il est tout simple, moins luxus que le Rapido D62, mais faut voir les réserves d'eau après, parce que comme c'est un petit véhicule, il n'y a peut-être pas beaucoup de réserves, mais ouais, c'est pas mal. Hein. Je vais regarder le coffre à l'arrière pour voir ce qu'il y a dedans. Donc 5,41, c'est petit. Ça donne ça. Et à l'arrière, ça donne ça.
Donc il y a la cassette des WC là. Là c'est les bouteilles de gaz. Il y a du rangement. Ah ok, il est là le pied. D'accord, donc c'est bien. Il y a l'extension avec le pied. Donc on a un vrai lit. On a un vrai lit. Un vrai lit de belle taille là. Donc sur un 541 comme ça, c'est bien. Il y a un ouvrant derrière. Vu que c'est un lit comme ça, ils auraient pu faire un ouvrant là. Bon, en même temps, au moins il y a d'ouvrant, au moins il arrive. Ok, c'est pas mal. C'est assez validé, je vais regarder le prix, mais c'est pas mal. Donc ici, le Dreamer D62. Donc c'est un profilé dans un fourgon de 6m36. Alors c'est presque le même, hein. La déco est peut-être un peu différente, je me souviens même pas. Donc, j'ai filmé, on peut comparer, mais non. Ils ont juste ici, je crois qu'ils ont juste mis la céleri est pas mal. La céleri est pas mal, hein. Ça fait céleri sport, céleri classe. Il y a un ordinateur, enfin un ordinateur de bord. Et ici, il y a un rangement pour la bouffe. On voit les rangements sous le lit, mais c'est exactement pareil. Alors, comme pour les autres, il y a ces histoires de rideaux là pour protéger. C'est un peu merdique. Mais bon, sinon c'est pas mal. Sinon le concept est bien. Bon, 6m36, il y a l'autre Dreamer qui fait 5m41, donc 1 mètre de moins. Bon, ici, c'est sûr, il y a plus de standing, quoi. Mais bon, en même temps, il est plus grand, quoi. Alors, ce petit joujou coûte la modique somme de 63 000 euros. En fait, taille de base 53 000 et des, et il y a des options.